essayer d'animer un petit peu tout ça, donc une plénière sur coopération internationale et développement de l'agroécologie. On va attendre la fin des tests techniques. Et pour commencer, aujourd'hui il fait très 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 chaud et on va voir si vous aussi vous êtes chaud. Les élus, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Plus fort. Pour la traduction, je crois. Les chercheurs, est-ce que vous êtes là? Pesquisadoras, bien. Les mouvements sociaux, est-ce que vous êtes là? Au movimientos sociales, presente, opa. Les petits producteurs, les sans terre, les travailleurs ruraux. Est-ce que vous êtes là? Plus fort. Ouh, super. Donc, coopération internationale, coopérer, ça veut dire coopérer, faire ensemble. Et dans cette session, on va voir comment travailler ensemble au niveau international sur la question qui nous rassemble, l'agroécologie. Donc sur la scène, ouais. Sur la scène avec nous, donc j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Adrien Romond, qui est conseiller agricole régional à l'ambassade de France. On peut applaudir. Henri Rouillet d'Orfeuil, qui est ingénieur agronome et membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France. Et enfin, Félix Bellem, qui est secrétaire général de l'association AMAPAD et de l'Union nationale des organisations pour la promotion des produits biologiques au Burkina. Je vais commencer par une question à Henri sur le contexte de la coopération internationale. Je ne suis pas sûr que tout le monde a en tête clairement ce que c'est la coopération internationale. Même pour moi, c'est quelque chose d'un peu nébuleux. Ouais, je fais bien. Et la première question, c'est Henri, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la coopération internationale au XXIe siècle dans un contexte post-Covid, donc peut-être avec des moyens de communication différents, des acteurs différents peut-être? Les acteurs traditionnels et les acteurs nouveaux. Bon. Bah, c'est un mélange. Je pense qu'il y a c'est un milieu où il y a des rites, des procédures, des règles, ouais, des règles, voilà, et qui sont aussi des règles diplomatiques, c'est-à-dire il y a des commissions mixtes. Enfin, je parle de la coopération publique. Il y a des commissions mixtes. Ça veut dire qu'en principe, les projets sont négociés. Dans le cas français, c'était annuellement. Voilà, ça repose beaucoup sur les ambassades, hein, en tout cas dans la formule Quai d'Orsay. Les ambassadeurs, les conseillers divers spécialisés, reçoivent je ne sais pas si ça a peut-être changé, là, un budget annuel et avec des paramètres, avec des coûts pour des moyens de coopération.
Ouais. C'est bon? Oui. D'accord, je suis fatigué, hein, mais bon. En tout cas, voilà, donc il y a des procédures qui sont formelles et qui correspondent à des règles de partenariat, si on est dans le public et on... Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a un problème. Est-ce que c'est clair pour tous les Brésiliens qui peuvent comment ils peuvent écouter en fait la traduction? J'ai l'impression qu'il y a... Ah, d'accord. Donc les Brésiliens, si vous voulez avoir la traduction, il faut vous rapprocher du fond de la salle pour avoir accès aux haut-parleurs, les Brésiliens. Elle traduit. Une dernière petite chose. C'est parti? Bon, je crois que j'ai usé tout mon temps là déjà, non? Bon. Et donc, voilà, donc c'est un univers qui est classique et dans le bon sens du terme, parce qu'il y a un respect quand même des partenaires. Alors ça, c'est la coopération du ministère des Affaires étrangères qui s'appuie sur l'Agence française de développement pour l'essentiel maintenant. Et puis, il y a une coopération multilatérale qui aussi n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est souvent des agences qui sont des sortes de grands bureaux d'études, mais parfois aussi ce sont des agences qui ont des services communs, de météo, de je sais pas quoi, enfin des services qui servent aux pays membres et à tout le monde. Alors, ce qu'il y a de nouveau, évidemment, effectivement, c'est les moyens de communication. Il y a eu une acculturation, d'ailleurs, pendant la période du Covid et post-Covid. Et là, on est dans un monde plus globalisé, disons, puisque par définition, ces moyens abolissent les frontières d'espace, déjà, de temps aussi. C'est quand même moins coûteux qu'une coopération classique avec des voyages. Voilà, et donc... Mais il y a les dangers de la numérisation aussi. Il y a des guerres que vous connaissez. Il y a des fake news. Il y a tout ce qu'il faut. Ça peut se retourner. Alors, il y a aussi, si on fait la liste, il y a beaucoup de coopérations non gouvernementales, les ONG, voilà, qui sont privées, donc qui gèrent leurs affaires, sauf que souvent elles ont besoin d'argent, donc elles sont obligées de proposer des projets. Il y a une coopération décentralisée des collectivités territoriales. Voilà. Donc tout ça sont des sommes assez importantes, hein, et intéressantes parce que le but de la coopération, c'est quand même de faciliter des relations avec des institutions françaises et autres, quoi, de même nature. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup, Henri. Alors, on va peut-être passer à une question concrète pour Pierre-Adrien Romont de l'ambassade de France. Donc, la France et le Brésil, ce sont deux pays où il y a une certaine reconnaissance institutionnelle de l'agroécologie. En tout cas, le terme est utilisé par ces gouvernements. Comment cette alliance potentielle, s'il y en a une, se traduit concrètement dans des projets de coopération internationale France-Brésil? Bonjour à tous. Bonjour à tous. En tant que représentant de l'ambassade de France, je vais juste prendre quelques instants pour vous dire tout le plaisir que l'ambassade a été conviée à participer à cet événement. Vous agradecer en portugais também. Já que tem muitas, a maioria das pessoas aqui falam em português.
Então, só para falar o prazer que o meu e o da embaixada de participar desse evento, ressaltar o apoio da embaixada e da França nesse projeto de cooperação, que é muito sólido, né? Que já é a quinta edição desse fórum. Falar que a França apoia muito esse assunto da agroecologia, especialmente no âmbito da cooperação internacionais. Também gostaria de parabenizar os produtores aqui da região de Teresópolis e do estado de Rio de Janeiro. Ok, alors je vais parler français. Ok, je pensais que ce serait plus simple pour l'auditoire pour les remerciements, mais donc. Mais si la technique est calibrée pour le français, restons en français. Donc, je disais que je voulais aussi féliciter les producteurs agricoles ici de la région de Thérésépolis et de l'État régional. Et la richesse des productions qu'il y a ici, dire que c'est très important, c'est une chance et une richesse pour une région avec une grande ville comme Rio de Janeiro d'avoir une production locale de petite échelle adaptée à la consommation de la nourriture. Pour les Français, parce que les Brésiliens le savent, l'alimentation au Brésil provient à 70%, peut-être même plus, de l'agriculture familiale. Et donc redire toute l'admiration et le soutien à cette production familiale, y compris en recherche d'agroécologie. Alors évidemment, il y a un historique de coopération très fort entre la France et le Brésil hein, sur ces questions-là. Et ça remonte à de nombreuses années. Je n'ai pas du tout l'expérience et le recul pour vous en parler en détail, mais il y a cet intérêt mutuel qu'ont toujours eu la France et le Brésil. Et même si sous le mandat précédent, il y a eu un peu comme une éclipse, le mandat présidentiel brésilien, je parle. À présent, avec le nouveau gouvernement, on est réellement dans une phase de reprise de ces échanges et de cette coopération. Alors évidemment, tout ne s'est pas arrêté. La preuve en est, hein, cette initiative, ce programme, lui, il continue depuis 5 ans maintenant. On a également une recherche très intense, une coopération, pardon, très intense en matière de recherche avec les établissements français qui sont le CIRAD et l'INRAE, en lien avec les acteurs brésiliens, Embrapa, universités, divers et variés, autres acteurs, qui sont des preuves de cette implication et de cette coopération mutuelle entre la France et le Brésil sur les questions d'agriculture et d'agriculture durable. Puisqu'il y a une volonté mutuelle, je pense, et de la France et du Brésil, d'avancer sur ces questions-là. Alors, des exemples concrets, au-delà de l'exemple qu'on vit aujourd'hui à travers cet événement, il y en a effectivement. Moi, je voudrais citer par exemple l'initiative d'une ONG française qui s'appelle Agri-Sud, qui a un partenariat avec le Club Med. Donc, le Club Med, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a des resorts de vacances, hein, des centres de vacances. Et cette ONG, elle travaille avec des producteurs locaux brésiliens pour fournir des fruits, des légumes, des aliments en local à ces centres de vacances. Voilà. Il y en a trois au Brésil, dans l'état de Bahia, un dans l'état de Rio et un autre dans l'état de São Paulo. Voilà. Et donc c'est un modèle d'intégration et de co-bénéfice entre le développement touristique et le développement d'une agriculture familiale locale durable. Autre exemple, la France soutient et accompagne le consortium du Nord-Est, qui rassemble les 9 États du Brésil du Nord-Est, dans un projet ambitieux, très ambitieux, de développement de la route des émotions, Rota das Emoções.
pour justement que là aussi, on allie développement durable, développement d'un tourisme durable, qui ne soit pas un tourisme prédateur et qui soit inclusif des populations agricoles locales pour qu'elles aussi bénéficient de ce développement, qu'elles ne soient pas effacées par le développement du tourisme et qu'elles puissent au contraire intégrer et profiter pleinement des retombées du tourisme dans cette région qui se développe. Obrigado. Merci beaucoup. Pour vos prochaines vacances en famille au Brésil, vous savez où aller, Club Med. Vous soutiendrez la production locale. Pardon? Ou la route des émotions dans le Nord-Est, c'est ça? Ok. Maintenant, l'agroécologie, pour de vrai, c'est à la fois un ensemble de pratiques agricoles, c'est une science et c'est aussi un mouvement social. Donc, j'ai une question pour Félix, qui vient du Burkina et qui représente à la fois une organisation de producteurs et comment dire, un réseau de circuits courts. J'aimerais savoir, Félix, comment faire pour intégrer encore mieux la société civile, les mouvements sociaux dans les projets de coopération internationale à travers les exemples du Burkina. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer d'abord par une petite anecdote. Parce que lorsque nous étions tout petits, on nous a toujours dit qu'au Brésil, il y a une ville qui s'appelle Belém, qui s'écrit exactement de la même manière que notre nom de famille. Donc, je me demande si je n'ai pas des origines brésiliennes. Voilà. Et déjà dire également merci aux amis brésiliens. Merci pour leur amitié et puis également pour la chaleur qu'ils nous transmettent et leur énergie. Voilà, ok. D'accord. Et maintenant pour répondre à la question, je vais d'abord vous citer un proverbe de chez nous qui dit que lorsqu'on est seul, on parle vite. Mais ensemble, on part encore plus loin. En fait, cela témoigne que, au niveau de l'agroécologie, si on veut aller de l'avant, il faut une mutualisation des efforts. Et lorsqu'on parle de la mutualisation des efforts, le levier, surtout du côté de la société civile, est un puissant moyen. Oh, sorry. Ok, sorry. Ok, donc je disais que je commence d'abord par un proverbe de chez nous qui dit que lorsqu'on est seul, on parle vite. Mais lorsque nous sommes ensemble, on part encore plus loin. Cela voudrait dire que si on veut que l'agroécologie se développe, c'est à travers la mutualisation des efforts. Et un des leviers puissants, c'est la société civile. Ok, je me permets également de citer Marina Le Matin, la députée, qui disait que il faut internationaliser les luttes. Ok, je m'en vais vous expliquer un cas de réussite au Burkina. Y a l'entreprise américaine Monsanto que tout le monde connaît, qui est spécialisée dans les produits chimiques en agriculture. Qui avait décidé de conquérir l'Afrique à partir du Burkina Faso. Voilà, et c'est grâce vraiment à cette solidarité de la société civile du Burkina Faso et des amis, les Rennes, les Bretons, etc., qu'on a pu organiser des marches. Et c'est ce qui a permis de freiner un peu les élans de Monsanto.
Et le contexte également africain est tout autre. La plupart de nos politiques de développement en agriculture sont financées par des firmes qui ne sont pas dans l'agroécologie. Donc, du coup, c'est difficile pour nos États d'adopter en fait des stratégies qui vont dans le sens du développement de l'agroécologie. Voilà. Et une des solutions pour les amener à adopter ces lois et cette démarche, c'est voilà, c'est la pression en fait de la société civile. Donc, de façon concrète, pour y parvenir, c'est de travailler en réseautage à travers une collaboration internationale. C'est ce qui peut nous permettre de faire bouger les lignes et de faire également développer l'agroécologie à travers une coopération au niveau de la société civile. Ok, merci. Merci beaucoup Félix, et merci beaucoup de cet excellent exemple. Je vais poser encore deux questions au panel, et ensuite on va essayer d'ouvrir pour vous donner la possibilité de poser vos questions. J'ai une question pour toi, Henri, qui a une longue carrière dans plein d'organisations différentes, plein de campagnes, plein de mouvements, et c'est une question qui rebondit un peu sur ce que vient de nous dire Félix. Est-ce que tu as des recommandations à partager, issues de ton expérience, sur la manière dont on peut arriver à changer les politiques publiques? Parce qu'il s'agit de ça aussi à travers la coopération internationale. Ma question, c'est, au-delà de ce type de forum, d'ailleurs, est-ce que vous êtes encore là, le forum Alimentation et Territoire? Vous êtes là? Oui? Donc voilà, on a un super forum, plein d'acteurs différents, on les a réunis, très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus pour vraiment changer les choses, changer les politiques publiques? Alors oui, bon, ça marche. Donc le public national, et puis on peut faire une petite incursion dans ce qu'on appelle le plaidoyer international. Sur le plaidoyer international, là je vais faire référence aux interactions qu'on peut avoir avec les diplomates, ceux qui participent aux négociations gouvernementales. La diplomatie, c'est gouvernemental, c'est voilà. Et donc là, c'est vrai que quand on regarde les grands événements diplomatiques des 20 dernières années, ou même peut-être, il faudrait remonter jusqu'aux années presque 70, presque toujours dans les processus, que ce soit sur les grandes conférences de l'environnement, Rio 92, Rio plus 10 plus 20, que ce soit sur les questions de désarmement, sur des questions parfois économiques, sur toutes les conférences qu'organise l'ONU, et parfois même l'OCDE dans les champs purement économiques, il y a quelque part les ONG de différentes familles, mais enfin ça reste quand même une famille assez unie. Et ces ONG, c'est petit quand même par rapport aux grands acteurs qui sont sur cette scène diplomatique, d'abord les États, mais il y a aussi tous les lobbies des multinationales et des... Voilà, il y a surtout les chercheurs aussi qui... Voilà. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant parce que comment ces petits acteurs ont réussi à faire basculer souvent des négociations. Bon, ça suppose effectivement c'est pas pour tous les sujets, et ça suppose pour rentrer dans la scène diplomatique, de passer par des gouvernements. Vous voyez, sur les histoires de Zoom, c'était avec le Canada. Bizarrement, pour la création de la Cour pénale internationale, c'était par Trinidad et Tobago, vous voyez, peu importe, on passe la barrière du non-gouvernemental et du gouvernemental, après c'est posé, et puis on continue les processus dans ce cadre-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a une efficacité en matière de plaidoyer des associations qui est importante. Sur les politiques nationales, Je voudrais souligner quelque chose quand même, c'est que
Il faut arriver à populariser déjà le sujet qu'on veut porter. C'est très difficile, un sujet qui est porté par 3% des électeurs, il n'a pas beaucoup de chances de passer, parce que les gouvernements sont quand même les yeux sur les élections. Et donc, moi, je dirais que pour qu'un processus diplomatique soit influencé par les ONG, ça veut dire aussi par les journalistes, il faut qu'il y ait une popularité de 30%. Sinon, c'est très difficile. Voilà. Alors, c'est possible parfois parce que le président a un intérêt particulier. Je pense à l'abolition de la peine de mort par Mitterrand, François Mitterrand. C'était pas un truc populaire. Bon, mais ça, c'était un cas. Il l'a poussé et ça s'est passé comme ça. Donc, il faut trouver. Alors, il faut déjà les bons sujets et il faut qu'ils soient métabolisables, si vous voulez, dans la diplomatie gouvernementale. Si on propose un bloc de trucs qui vous voyez, qui est barré directement parce que c'est trop ceci ou trop cela, non, il faut que ce soit qu'on arrive à. C'est un jeu de slalom et de judo, donc voilà. Donc moi je dirais ça. Donc par rapport au sujet agricole, alors le problème, bon, parce que les grands sujets agricoles, c'est quand même les problèmes de de commerce international. Et ça, on a beaucoup de mal à percer ce sujet au niveau de l'OMS, parce que bon, c'est quand même le lieu où se distribue la richesse et la pauvreté mondiale. Hein, on peut dire, voilà. Et donc là, c'est plus compliqué, mais quand même, on a pu avoir des victoires à l'OMS avec la question des médicaments génériques. Bon, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont. On a porté aussi à l'OCDE des négociations qui s'appellent pays par pays, c'est-à-dire que faire en sorte que les grands groupes de plus de 750 millions de chiffres d'affaires, je crois, soient obligés de déclarer leurs activités dans chaque pays où ils agissent, quoi. Et donc, avec évidemment pour les administrations fiscales, la possibilité d'être informés sur tout ça. Et donc, évidemment, la question des impôts pour ces grands multinationales qui souvent ne payent pas beaucoup et qui sont en concurrence directe avec tous nos acteurs nationaux qui payent, vous voyez, c'est un sujet important. Alors, il y a beaucoup de sujets, mais il y a une vraie activité. Alors, ça, c'est le sujet, il doit être à peu près choisi, c'est la construction de réseaux nationaux, éventuellement de différentes familles. Ça peut être avec les syndicats, ça peut être avec les collectivités. Et puis, les réseaux européens, il y a une coordination européenne qui s'appelle Concorde, des réseaux ONG, et voire les réseaux internationaux ou les grandes ONG internationales. Et donc, c'est toujours une question de réseau, c'est toujours une question d'analyse des forces en jeu sur la scène diplomatique. Et voilà. Et donc, dans notre domaine, je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut organiser. C'est vrai qu'une alliance de plusieurs pays, déjà trois, mais ça peut être beaucoup plus, ça a du poids. Ça a du poids vis-à-vis de nos gouvernements. C'est-à-dire que nous, on s'occupera de la liaison avec la France, le Burkina avec son gouvernement. On n'a pas un poids pour faire bouger, nous, l'Inde ou le Brésil. Voilà. En termes de construction de réseau, je pense qu'ici on est très bien. Enfin, on voit tout le microcosme des mouvements sociaux qui est présent ici au forum, et donc on est sur la bonne voie. J'ai une question pour l'institution, on va dire la représentation de l'État ici. On sait que l'agroécologie, c'est un terme qui est encore ouvert. C'est un peu un champ de bataille. Il y a des tentatives de récupération. On sait qu'il y a une fausse agroécologie aussi. On sait que tu as cité Monsanto tout à l'heure, mais Monsanto, ça ne gênerait pas de dire qu'ils font de l'agroécologie, Bayer, etc., qu'ils saisissent le mot. Donc j'ai une question pour quelqu'un qui travaille au service d'un État. Vous êtes certainement approché régulièrement par une vision différente, antagoniste de nos valeurs, de l'agroécologie. Comment vous assurer que la vraie agroécologie est vraiment mise en œuvre à travers les projets que vous soutenez? Ouais, attention le câble. Ouais, merci pour cette question très
Enfin, très compliqué parce que c'est toute l'exigence effectivement derrière du travail hein, des représentants de l'État dans la conception des politiques publiques et dans ce travail aussi qu'on fait en coopération. Je crois que ce qui est important avant tout, effectivement, enfin, le greenwashing, ça existe partout. Évidemment, il y a des tentations de faire du greenwashing et de pas affronter sérieusement les grands enjeux auxquels on fait face. Je pense qu'un élément très important, c'est toujours de s'appuyer sur la science et sur la réalité des pratiques et passer au-delà des termes, effectivement. Moi, il y a un terme qui m'interroge beaucoup. Actuellement, on parle beaucoup d'agriculture régénérative. Et c'est un exemple de terme, de concept qui, effectivement, est manipulé par tout un tas d'acteurs et qui n'a pas encore une définition très claire. Et je pense que quand on est confronté à ce genre de concept émergent, qui est aussi bien utilisé par des gens qui sont très impliqués sur l'agriculture, l'agroécologie, même le stockage du carbone, comme par des grandes entreprises pour lesquelles effectivement se pose la question de savoir si c'est du greenwashing ou pas. Et ben, je pense que derrière, il faut s'intéresser aux pratiques en fait qui sont promues et voir quelle est la réalité de la chose. Aussi, ce qui est important, c'est de se nourrir des forums d'échange, hein, comme celui-là. Un message que je voulais délivrer, c'est que on a besoin, les diplomates parlent entre eux, évidemment, mais ils se nourrissent aussi énormément des échanges avec le terrain. Le terrain, c'est tout le monde, hein. C'est les mouvements sociaux, les interlocuteurs, les chercheurs, les entreprises aussi, hein. Il n'y a pas. Il faut discuter avec tout le monde pour essayer de comprendre. Et les initiatives locales, les projets comme ce forum, doivent permettre de nourrir derrière les discussions multilatérales à plus haut niveau. Quand on discute des grands sujets de l'avenir de l'agriculture, des grands enjeux à la FAO ou dans les autres organisations, on a besoin de se nourrir de ces débats-là. Et on a besoin d'ailleurs, enfin, c'est un message que je lance un peu aux organisateurs. Moi, je suis très preneur. Il va y avoir évidemment une déclaration que je lirai attentivement, mais je serai preneur de la richesse des échanges qui sont faits ici dans cette instance pour qu'on puisse justement se nourrir, que je puisse en faire part à mes collègues qui sont ici à l'ambassade, mes collègues des autres ambassades avec lesquels on essaye d'avoir des agendas communs, mais aussi les collègues qui sont à Paris et qui sont loin de ces projets et de cette coopération. On a de gros enjeux devant nous, hein, la sécurité alimentaire, l'adaptation, l'atténuation du changement climatique, la sortie, ou en tout cas essayer de se passer un maximum des intrants chimiques, engrais, pesticides, la rénovation aussi des générations, le renouvellement de tout ça. Et on est tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à ces grands enjeux, avec des nuances, mais c'est dans cette discussion que, entre pairs, que se fait la richesse des échanges et qu'on peut sortir des idées et des solutions qui ensuite seront promues dans les grandes enceintes et dans les grandes orientations qu'on peut retrouver à l'ONU, à la FAO, dans les organisations sectorielles. Voilà. Alors, une dernière question avant de donner la parole à la salle. Donc, une question pour Félix. Ici, on est vraiment dans le contexte d'un mélange d'acteurs de terrain, vraiment une dimension micro très présente, mais on a aussi des institutionnels qui sont présents. Donc, on a un lien avec le niveau macro plus large. Et j'aimerais vraiment savoir comment tu vois la suite de l'après-forum, la suite des échanges pour faire en sorte que cette dimension-là continue à être présente dans les échanges qui vont animer nos réseaux post-forum. Voilà, merci beaucoup, Jocelyn. Je vais m'excuser un peu de ma manière d'intervenir. En fait, je vais prendre d'abord un cas de réussite et puis à la fin, maintenant, je vais conclure. OK, de façon concrète, par exemple, je vais citer un cas de réussite chez nous au Burkina Faso. Voilà, à travers ce qu'on appelle les SRI, les systèmes de riziculture intensive. Voilà, c'est une pratique que nous avons reçue en fait d'autres acteurs qui ont une approche agroécologique
qui a vraiment révolutionné le système de la riziculture au Burkina Faso. Et actuellement, avec les SRI, il y a des producteurs dont les rendements sont passés du simple au double. Et les SRI, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est une approche agroécologique. Et également, grâce aux SRI et puis avec le soutien de certains partenaires qui sont même ici, on a pu amorcer la filière riz biologique, qui est une première en Afrique. Voilà, donc de façon concrète, à la sortie de ce forum, c'est de voir comment des projets pourraient être construits à travers des partages d'expérience. Et peut-être je précise un peu, c'est notre manière de voir en fait le développement, c'est de nous aider, c'est nous aider avec l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Voilà. Et voilà, donc de façon concrète, à la sortie donc, de ce forum, c'est de voir comment on pourrait mettre ensemble des projets à travers des partages d'expérience et voir comment aussi on pourrait les implémenter et pouvoir faire avancer l'agroécologie, quoi. C'est comme ça que je perçois. En mettant bien sûr l'accent sur la recherche. Voilà, on l'a dit plusieurs fois. Et également en mettant l'accent sur la mécanisation. Et il y a le frère également Yuvaré du Burkina Faso qui est revenu sur un aspect qui est très, très important, les bio-intrants. Au niveau, par exemple, du Burkina Faso, des acteurs se sont mis ensemble, ils ont développé cette filière et grâce à ces bio-intrants, les rendements au niveau de l'agroécologie ont commencé vraiment à augmenter. Donc, c'est des pistes de réflexion que nous pourrions voir ensemble et puis essayer de développer des stratégies et puis des projets à travers cela. Ok, merci. Merci, merci beaucoup. Vous savez, hier, on a joué au jeu des problèmes et des solutions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je trouve que le projet dans le cadre duquel plusieurs d'entre nous sont présents aujourd'hui, qui s'appelle le projet ATER, donc de transition agroécologique territoriale, en fait, on s'aperçoit que sur chaque territoire où il y a vraiment une transition, au départ, il y a un élément déclencheur. Il y a une crise. Climatique ou écologique, il y a un mouvement social, il y a un dilemme économique, il y a vraiment eu un besoin de bouger ensemble. Et je trouve que les discussions, l'échange qu'on a ici montrent aussi ça. Donc, dans le tour de questions ou la parole que je vais donner à la salle, je vous invite à poser vos questions au panel, mais aussi éventuellement à partager. Vos ressentis sur ces questions-là, en quoi la coopération entre les territoires peut être bénéfique? Je vais laisser la parole à la salle. Si la salle est encore présente, est-ce que vous êtes encore là? Oh là! Non, non. Là, vous n'êtes plus là, là. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais. Ok, il y a une question de Souleymane. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, merci aux différents panélistes pour les différentes interventions. Alors, moi, j'avais un petit commentaire et puis des questions, quelques questions. Alors, pardon, une question. Ok. Bon, je vais peut-être m'appesantir sur une question d'actualité que nous vivons dans nos pays du Sud, notamment le Burkina Faso et le Mali. Alors, en matière de coopération, nous sommes suspendus justement par l'aide française, justement l'AFD. Et pour moi, je pense que quand on parle de développement, il faut justement aller au-delà des émotions. Et il s'avère que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de projets qui étaient financés par l'AFD, notamment de l'agroécologie, qui avait justement pour objectif de faire sortir des populations vulnérables de la pauvreté, se retrouvent encore enfoncées parce que ces aides-là sont suspendues. Alors, c'est une question d'actualité, nous le vivons. Et aujourd'hui, c'est le Burkina, on ne le souhaite pas. Peut-être demain, ça peut être le Brésil. Alors, moi, ma question, c'est de savoir quel est votre point de vue
vous, en tant que représentant de l'État français ici au Brésil, pardon, quel est votre point de vue par rapport à cette situation de fait? Et ne faudrait-il pas penser à un autre développement que nous appelons développement endogène, afin qu'on puisse, nous-mêmes, nos pays du Sud, développer de la ressource locale, notamment financière et humaine, afin de pouvoir faire face à ces situations-là, quitte à ce que nous puissions nous ouvrir de façon prudente à des coopérations à venir. Ce sont des questionnements et des commentaires, et je vais peut-être laisser le soin aux représentants de l'État français de répondre. Merci. Merci beaucoup, Souleymane. Je vais juste demander à tous ceux qui ont une question de lever la main, et puis on va essayer de les prendre tout ensemble, parce qu'on doit clore dans quelques minutes. Donc il y avait une question, deux questions. Est-ce qu'il y a des non-français qui veulent aussi poser une question, des Brésiliens? Là, j'ai deux Français. Des questions du Brésil? Non? C'est désespérant. Pas de souci. Alors, on a Alain d'abord. Et ensuite, Claire. Et on aura les réponses du panel ensuite. Bon, merci de me donner la parole. Donc, je suis Alain Dioula, le président du réseau Bretagne Solidaire, qui a assuré la gestion administrative et financière du forum. Et donc, je m'adresse aussi aux représentants de l'État pour dire qu'on a eu énormément de mal à obtenir des visas pour nos amis burkinabés. Et que finalement, l'argent public nous a coûté énormément. C'est-à-dire que les subventions ont servi en partie pour payer des visas, payer des billets d'avion par la Turquie, etc. Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple d'avoir un visa de transit français. Donc, je suis en tant que président du réseau Bretagne Solidaire. J'étais reçu au ministère là, à une réunion sur le Sahel. J'ai déjà protesté. Mais je sais que mettre sur le métier l'ouvrage, c'est beaucoup mieux. Il faut toujours en parler. Et la deuxième chose, moi, évidemment, je rejoins Suleiman. Je suis, en tant que président de RBS, représentant d'une association qui s'appelle l'association Yéhoulen Mopti. Et effectivement, nous assistons à un écroulement là, de la coopération, malgré tous nos efforts. Il y a des groupements d'associations qui se mettent en place en Bretagne et qui ne sont pas écoutés. Donc, ben, vous savez, M. Romain, vous êtes au courant de tout ça. Ici, nous sommes véritablement en confiance, dans l'amitié, mais ce que nous avons vécu en Afrique, nous, il y a quelques années, n'existe plus. Et cette perte de contact avec nos amis africains, je pense, c'est une erreur. Merci, Alain. On va écouter la dernière question et puis on aura des réponses très rapides pour ne pas pénaliser les activités suivantes. C'était plus un commentaire ou une suggestion qu'une question. C'était d'avoir peut-être une perspective plus symétrique et d'apprentissage mutuel sur de la coopération, par exemple, côté scientifique dans les projets CAPESCO-FECUB. On est vraiment dans cette inspiration mutuelle d'expérience des deux pays, qu'il s'agisse de pratiques agricoles, de commercialisation, par exemple, qu'il s'agisse de politiques publiques, puisque si la France a plein de choses à apporter sur ses expériences, par exemple, bon, projets alimentaires territoriaux, pour parler de quelque chose de récent, symétriquement, le Brésil a des politiques très innovantes, comme le programme d'acquisition d'aliments ou d'alimentation scolaire et d'autres. Et puis, dernier exemple sur l'enseignement et la recherche. Par exemple, l'expérience des Núcleos de Agroecologia au Brésil, qui associe universités, réseaux d'agriculteurs et recherche, et donc étudiants aussi, et quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, il y a vraiment, enfin, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais je voulais insister sur cet aspect symétrique. Oui, merci pour vos questions. Enfin, s'agissant du Burkina Faso et de manière générale, quand des projets de coopération
sont arrêtés ou suspendus, c'est toujours une mauvaise nouvelle, hein. Maintenant, très honnêtement, moi je suis mal à l'aise pour vous répondre ici parce que, un, je suis conseiller agricole. Et donc mon domaine, c'est plus l'agriculture et la coopération dans le domaine agricole. Et puis, je connais mal le contexte africain et j'aime pas parler des choses que je connais pas. Voilà. Mais par contre, ce que je ferais, c'est que je remonterais aussi bien la question et les remarques pertinentes de Souleymane que les vôtres, monsieur, à mon ambassadeur. Et l'information sera passée. Voilà. Mais à mon niveau, comprendrez que je ne suis pas en mesure de vous apporter des réponses. La remarque de notre collègue chercheuse, elle est pertinente, ouais, et ça me permet de rebondir dessus pour parler d'un programme qu'on a entre la France et le Brésil qui s'appelle BRAFAGRI et qui permet justement des échanges entre étudiants et professeurs, et même au-delà des échanges, de construire des choses ensemble entre Brésiliens et Français. Donc, bon, je suis désolé pour nos amis burkinabés, il y a peut-être des programmes en Afrique, j'en ai pas connaissance, mais en tout cas, avec le Brésil, on a ce programme-là qui fonctionne très bien. Au Brésil, qu'on aimerait évidemment augmenter, voilà, et qui a cette richesse de, voilà, de permettre d'amener des étudiants français ici au Brésil, des étudiants brésiliens en France, et pareil avec les professeurs, et d'imaginer des projets en commun sur des grandes priorités qu'on a en commun, et l'agroécologie, évidemment, en fait partie. Est-ce que Henri et Félix voulaient rebondir très rapidement sur ce qui a été dit? Félix, non. Henri? Non? Non. Un petit. Oui, moi je ne vais pas réagir sur le Burkina non plus. Évidemment, on est désespéré d'avoir une coopération qui, momentanément, je pense, ça sèche un peu. Mais je voudrais juste faire une petite remarque suite à votre intervention précédente. Vous verrez dans les conclusions qu'on a préparées là. Oui, vous verrez dans les conclusions qu'on a préparées, effectivement, on essaye de, nous, de continuer. Cet enracinement avec des organisations locales, voire plus dans les mouvements sociaux. Il y a la volonté peut-être d'être une référence pour d'autres régions françaises ou brésiliennes pour renouveler ce genre d'expérience. Mais il y a aussi l'idée de monter en géographie. Et de voir si, au fond, sans qu'on quitte ce qu'on sait faire, on ne peut pas trouver une manière d'avoir un cadre public, pas pour influencer, mais pour lier une connexion entre des acteurs agriculteurs, privés, ONG, etc., et puis une coopération publique. On pensait effectivement au Centre national de l'alimentation en français qu'on a déjà vu, et la commission Comesa, la commission brésilienne. Et ce sont des institutions publiques, mais ombres. Il y a une dizaine de ministères dans chaque côté, et puis des acteurs. Et donc, je pense on peut nourrir, vous voyez, quelques postes qui sont publics, et nous, on pourrait avoir une ouverture aussi très favorable, voire une alliance pour rentrer sur le débat international. France à certaines périodes, FAST, on avait créé ensemble dans le domaine des taxes internationales des taxes sur les billets d'avion, et ça finançait beaucoup de choses, cette affaire. Voilà. Merci de ces propositions, Henri. Merci à tous de votre écoute attentive et de votre participation. Et merci à notre panel. Je pense qu'on peut les applaudir.